Ouais, alors on clip le club des casteurs, on va voir les hydrophobes, ah, ceux qui ont peur de l'eau, qui ne boivent pas. Alors on va augmenter la thérapie, c'est-à-dire que là ça va devenir complètement débile, je vous préviens tout de suite. Vous foutez ? Ok, d'accord. J'en profite pour vous présenter à la basse Maurice, qui s'éclate. Il est lancé. À la guitare, Daniel. D'habitude, on le fait à la fin, mais là. Et là, je vais les rejoindre. Sur le comptoir, ce n'est jamais assez tôt pour les habitués de l'abreuvoir. Lulu arrive sur sa mob, il n'a plus que ça pour se déplacer. Moyen de tous les hydrophobes, son permis l'a picolé. Son coude préféré sur le comptoir, il tiendra jusqu'à la nuit. Il racontera sans trop y croire que le bonheur passe à l'ennui. La flotte, ça le fait gerber. Même dans le Ricard, c'est une offense. Il préfère un coup de rouge ou de rosé. Le pinard, c'est ce qu'on fait mieux en France. Il y a 20 ans, il rencontre une pervenche qui voulait bien être sa moitié. Tous deux, ils aimaient la boutanche. C'est la cirrhose qui l'a mariée. Si, si, il aurait bien voulu avoir un môme. Il pensait être un bon terroir. Elle a préféré torcher du bône que le polychinelle dans le tiroir. Boulevard des enfumés, la mob à fond, les manettes, le bus vint la décalquer sur une réclame de vinaigrette. Tout ça pour finir en bière, pour un amateur de vin, allongé seul sous sa pierre. Toutes les bonnes choses ont une fin. All right, merci Daniel.